Le grand jour est arrivé, nous sommes là, Hervé Matou, Pierre Ménès, pour vous servir sur un plateau. Cette finale très prometteuse dans le coup d'envoi va être donnée dans quelques secondes. La France affronte l'Espagne. Oui Hervé, c'est une finale de coupe avec ce genre de match, c'est toujours particulier. Tout le monde a la boule au ventre, mais à mon avis, moins que les joueurs sur la pelouse. Hein. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. J'ai hâte de voir comment ces deux équipes vont aborder ce match. Antoine Griezmann. Benzema. Hernandez. Adrien Rabiot. Kylian Mbappé. Allez, il faut le mettre celui-là. Le ballon qui a été contré. Rodri. Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match, à mon avis. Il a signé un doublé lors de son dernier match et on peut donc imaginer son état de forme et de confiance. Je ne pense ne pas trop m'avancer en disant qu'il va être dangereux aujourd'hui. Karim Benzema. Paul Pogba. Ah oui, c'est bien fait ça. Griezmann, c'est une balle de but ça. Ouais, la voici, l'ouverture du score dans cette finale. Oh, que c'est important de mener dans ce genre de match. L'action gagnante que l'on revoit en ce moment avec cette passe en profondeur. À la fin, il a regardé la position du gardien et hop, petit ballon piqué. Belle vista. Le réalisateur qui nous remontre ce but. L'équipe de France qui mène au score. Un ballon rendu par les Espagnols à l'adversaire. Allez, le danger certainement avec Kylian Mbappé. Ça presse haut, attention à ce ballon. N'Golo Kanté. Ah, il prend le ballon, c'est bien joué. Ce sera une touche. Paul Pogba. Presnel Kimpembe. Benzema. La voie est libre, la voie est libre pour l'attaque française. La frappe était belle, mais il y avait un problème de mire. Ouais, ouais, un ballon qui a filé au-dessus, dommage. Adama. Alvaro Morata. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Oh, c'est beau ça. Rabiot. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Mbappé. N'Golo Kanté. Oh, il se fait passer. Tire, tranquille, derrière. Le sélectionneur espagnol, il me paraît désabusé par la performance particulièrement pauvre de son attaque. Il veut bénéficier de la touche. Karim Benzema. Griezmann, Mbappé, Benzema,
Mbappé, Mbappé en bonne position. Kylian Mbappé, il stoppe son action, il était hors jeu. Thiago Alcantara. Rodri. Thiago Alcantara. Non, mal fait cette passe de Busquets, c'est sorti. Antoine Griezmann. Hernandez. Oh, que c'est bien donné ça. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Thiago Alcantara. Ansu Fati. Allez, c'est un petit boulevard là qui s'ouvre pour les Espagnols. En position idéale pour centrer. Il essaie d'en louche un petit peu. Oh, il était temps d'intervenir là. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but simplement 1-0. On avait peur avant cette finale qu'elle soit un petit peu fermée. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. C'est vrai, c'est important qu'ils aient pu marquer en première période. Maintenant qu'ils mènent, ils forcent leurs adversaires à se découvrir et ça a forcément amené des situations de contre. La finale est bel et bien lancée. Allez, l'arbitre a sifflé, le jeu reprend à l'instant. On va voir si les deux équipes ont bien récupéré de leurs efforts à la mi-temps. C'est pas bien joué ça, le ballon est perdu par l'Espagne. Le long de la ligne de touche. Rodri. Morata. Ah et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Mbappé. Ah oui, la bonne passe. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Arrive de Deria, mais qui n'a pas capté. Quel dommage d'avoir raté ça. Avec deux buts d'écart, cette équipe pouvait se mettre peinard à l'abri. Bah, c'est loupé. Ouais, l'arbitre a laissé jouer l'Espagne à tour le ballon. Pau Torres. Morata. Et donné sur l'aile. Thiago Alcantara. Ansu Fati. Ça c'était dangereux, bonne intervention. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Benzema. Ouais, coup franc pour l'Espagne. Ça s'agite hein, sur le banc de touche. Plusieurs changements à venir. C'est bien récupéré là par Kylian Mbappé. Mbappé qui s'est un petit peu troué sur ce ballon, qui perd la possession. Sans problème pour Hugo Lloris. Mbappé, dans ce genre de situation, difficile de l'arrêter. Ouais, jolie conservation du ballon. Il faut qu'il centre maintenant. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Pas facile, mais il protège son ballon, il tient bon. Et le contre n'ira pas plus loin, l'adversaire récupère.
Mata. Ça sera pour Morata. Ah non, pas de souci, hein. C'est peut-être pour le gardien. Manque de conviction, peut-être. Une dernière occasion, des chiffres à l'image de la rencontre. Si elle ne se montre pas plus tranchante que ça, cette équipe aura du mal à refaire son retard. Elle poursuit son action. Le centre est pour Benzema. Non, finalement, ça ne donne rien. Adama. Avec Rodri. Pau Torres. Et il vient chipper le ballon dans la moitié adverse. Pogba. Ouais, superbe ce geste défensif. Et 4 minutes à jouer avant d'entrer dans le temps additionnel. Plus que quelques minutes à jouer, tout reste possible. Et contrer cette frappe. Et 1 minute de temps additionnel. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Et bien voilà, c'est terminé. Il remporte cette coupe, Pierre. C'est magnifique ce que ce groupe a réussi à réaliser. Non, pas tremblé, bravo. Quelques minutes, les joueurs vont pouvoir brandir la coupe. Ils se sont installés dans le rond central. Il y a quelqu'un qui fait un barbecue derrière les flammes. Ah oui, vous allez chercher les saucisses. Bon, ça fait partie de la chorégraphie. Ah oui, c'est vrai. Il frétille, hein, il frétille à l'idée de brandir ce trophée. Ce sera dans quelques instants. Attention. Ça y est. Et la victoire magnifique. Sous les applaudissements, les cris de joie d'un public qui aura vibré. Ouais, et puis les joueurs qui ont l'air vraiment tous fous de joie. On promet une belle fête ce soir. Hein. On va sortir. Nous. T'as des invités ? Non, on va rentrer en force comme d'hab. Ah, ils vont aller fêter ça avec leurs supporters, je pense. Bah lui, il a mis 5 mètres à tout le monde. Il veut tellement pas la filer, sa coupe, qu'il est parti devant tout seul. Ah, est-ce voilà, qu'ils vont rattraper. Voilà, j'ai cru qu'ils allaient se mettre sur le ventre. Non, non, c'était juste se mettre devant les supporters les plus chauds, leur montrer ce trophée dont ils sont si fiers. Et se mettre sur le ventre pour glisser. Oui, je pensais qu'ils allaient faire ça. Parce que moi, quand je me mets sur le ventre, je ne glisse pas. Hein. Non, ça, je peux comprendre. Allez, il va y avoir la photo souvenir, Pierre. Voilà. Il faut être bien placé sur la photo, là, si possible. Voilà, alors ceux qui n'ont pas de goût, tu la retrouveras dans le salon. Ceux qui ont de la